que vous vouliez avoir une silhouette harmonieuse, atténuer vos maux de dos, évacuer le stress quotidien ou encore agrémenter votre entraînement actuel, eh bien la méthode Pilates est la discipline à adopter. Elle comporte bon nombre d'adeptes aux quatre coins de la planète, tellement elle est efficace. Et les raisons de vous y mettre sont très nombreuses. Si vous pratiquez du Pilates, je vous invite à me dire pourquoi vous avez commencé le Pilates et ce que cette gymnastique vous a apporté au fil de votre pratique. Vous pouvez m'en parler dans la zone de commentaires ci-dessous, c'est toujours sympa d'avoir des avis sur les bienfaits du Pilates. Personnellement, j'ai commencé le Pilates par hasard et surtout par curiosité. J'ai été très surpris d'avoir eu des résultats très rapidement. Alors je ne sais pas si c'est votre cas, mais au début, j'avoue que cela a été vraiment très difficile pour moi de suivre ce cours. Je manquais de gainage, de coordination et d'endurance musculaire. Honnêtement, j'en ai chié. J'ai persévéré et je suis maintenant professeur de Pilates. J'ai continué cette discipline car elle m'a apporté beaucoup. Et ce qui est incroyable, c'est les résultats obtenus auprès de mes adhérents. La liste des bienfaits étant très longue, je vais vous parler de ceux qui m'ont le plus marqué. D'abord, réapprendre à se tenir droit. La première chose qui marque après quelques séances de Pilates, c'est que dès que l'on fait quelque chose, on se redresse. On est assis devant son ordinateur et on se redresse. Pour moi, c'est un des bénéfices qui m'a vraiment marqué. Notre dos est malmené quotidiennement. Il subit les heures passées devant les écrans soit de télévision ou d'ordinateur, les soirées passées dans le sofa, les trajets en voiture, etc., etc. Nous avons tous tendance à nous tenir courbés, les épaules, en regardant les pieds ou presque. Quel que soit votre âge, il n'est pas trop tard pour corriger votre posture. Les mouvements effectués lors des séances de Pilates ciblent principalement les muscles des abdominaux et du dos. Ces muscles sont situés près de votre colonne vertébrale qui, elle, soutient tout votre corps. Développez ces muscles et vous corrigerez votre colonne qui se redressera et se réalignera. Vous améliorerez alors votre posture et vous aurez un bien meilleur maintien. Adieu le dos tassé. Deuxième bénéfice, tonifier le corps. J'ai une ancienne championne de judo au studio et elle m'a dit un jour, c'est incroyable. J'ai retrouvé du tonus. J'ai même redessiné mon corps. Et elle a ajouté, pourquoi je n'ai pas découvert cette méthode de renforcement avant mes championnats? Alors certes, ce sont surtout la ceinture abdominale, les muscles dorsaux et le plancher pelvien qui travaillent en profondeur lors d'exercices de Pilates, mais tous les autres muscles sont également sollicités. Il s'agit d'un travail global de toutes les chaînes musculaires. Ce qui a pour effet d'équilibrer votre silhouette et de la rendre plus harmonieuse. Avec la pratique du Pilates, votre corps sera plus ferme, plus tonique et plus galbé. Les graisses disgracieuses des cuisses fera peu à peu place aux muscles et vos jambes se dessineront. Vos abdominaux vont également commencer à apparaître. Couplez le Pilates à une alimentation saine et équilibrée et les résultats, croyez-moi, seront d'autant plus rapides. Troisième bénéfice, soulager les maux de dos. Si le Pilates est la discipline la plus conseillée, notamment par les kinés, aux personnes souffrant de maux de dos, ce n'est pas par hasard. Lorsque l'on a mal au dos, c'est souvent parce que les muscles dorsaux sollicités au quotidien ne le sont soit pas correctement, soit trop. Dans les deux cas, pratiquer le Pilates régulièrement vous aidera à rééquilibrer et à détendre les muscles du tronc. J'ai des personnes au studio ayant eu de gros problèmes de dos. Elles sont venues au studio pour le renforcer et croyez-moi, ce sont aujourd'hui des personnes totalement transformées. Éliminer le stress. Ce qui est impressionnant dans un cours de Pilates, c'est que vous ne pouvez pas penser à autre chose que ce que vous faites. Vous êtes tellement concentré sur le corps que vous en oubliez tout le reste. Alors, sachez que le stress peut engendrer des tensions dans tout le corps et aussi être une source de bien d'autres symptômes, parfois douloureux. Le Pilates
par la respiration profonde et conscience qu'il requiert eh bien, lors des mouvements, aide à ôter les tensions accumulées dans le corps. Au fur et à mesure des exercices, vous reconnecterez à votre corps. Vous allez eh bien, tout simplement être beaucoup plus à l'écoute de vous-même. Mieux dormir. Le sommeil est, dit-on, le meilleur remède à tout. En effet, avoir un sommeil réparateur est notamment extrêmement important pour pouvoir jouir eh bien, d'une bonne qualité de vie. Le Pilate qui s'inspire du yoga est centré sur l'harmonie et l'équilibre du corps et de l'esprit. Exercer le Pilate, c'est détendre et étirer ses muscles en douceur. On élimine les tensions accumulées et les éventuelles douleurs. Mais c'est aussi se relaxer et se vider l'esprit. Autrement dit, c'est la clé d'un sommeil de bonne qualité. Alors, il est possible d'avoir des courbatures lors des premières séances de Pilates. Mais par la suite, vous allez voir que, eh bien, on se sent vraiment bien. On sent que son corps se renforce. On n'est plus tonique, mais également plus zen. On est plus zen dans sa tête. Le Pilates permet également de développer les capacités de concentration. J'en ai déjà parlé avant, le Pilates eh bien, nécessite une grande capacité de concentration. Sans cela, impossible de coordonner la respiration profonde aux différents mouvements tout en se rappelant eh bien, de rester parfaitement gainé. La concentration vous permettra de maîtriser votre corps à un très haut niveau de précision. Vous arriverez alors eh bien, au contrôle du corps par l'esprit. C'est le principe de base de la méthode Pilates. C'est ce travail de concentration qui donne, en partie, hein, toute son efficacité au Pilates. L'avantage, c'est que par la suite, vous allez pouvoir vous concentrer beaucoup plus dans tous les autres sports que vous pratiquez. Cela va renforcer son efficacité et leurs bénéfices. Alors, outre les 6 bienfaits que je viens de mentionner, la méthode Pilates fait également gagner en souplesse et en coordination. Elle libère les articulations, elle augmente la capacité pulmonaire, elle améliore la performance également eh bien, dans d'autres sports et dans tous les sports. Bref, elle ne peut être que bénéfique. C'est une approche globale du corps, douce et intense à la fois, aux incroyables vertus tant physiques que psychiques. Alors, si vous voulez entretenir votre silhouette en douceur, mais de façon profonde et efficace, alors n'hésitez plus, mettez-vous au Pilates. Si vous voulez commencer le Pilates et le pratiquer chez vous, je vous invite à tester la première séance du programme 66 Pilates. La première séance que je vous propose d'essayer eh bien, vous permettra de découvrir les bases du Pilates. Testez cette séance et dites-moi ce que vous en avez pensé. Cliquez simplement sur le lien ci-dessous pour accéder à cette première séance et je vous dis à tout de suite pour ce premier entraînement.